myself. Take me right back to the start. Eh bien salut tout le monde, c'est Colin, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui, attention, on se retrouve pour l'épisode 9 en tuto déco. Ah là là, je cartonne en ce moment, là j'enchaîne les vidéos, là je les enchaîne comme quand je mange du popcorn. Donc les amis, pour l'épisode 9, je vous ai préparé, j'avais pas trop d'idées en ce moment, et je vous ai préparé quelque chose d'assez intéressant. Donc comme vous aurez pu le voir dans la cinématique, c'est faire un bac à sable. Donc voilà, je l'ai fait assez simpliste. J'ai pas cherché à me casser la tête. J'ai fait donc en 5x5. Ça paraît correct. Donc bien sûr, on retrouve... Bon, j'ai mis des petits arbustes pour la déco. La bannière pour faire le petit drapeau. Ici, cactus pour la déco. Et aussi faire penser un petit peu au désert. Et là, des petits pots pour... imaginez que c'est des seaux pour faire les châteaux. Donc justement, c'est là que j'ai mis de la hauteur. À certains endroits, j'ai rajouté des blocs de sable. Voilà. Donc les amis, on passe en mode construction. Je fais une ellipse et je vous dis à tout de suite. Et voilà les gens, donc c'est bon, on peut construire ce fameux bac à sable. Donc pour ça, il faudra du bois de chêne, des dalles de sapin, des trappes en bois, du tapis marron, du sable. Et après pour la décoration, des arbustes morts, du cactus et pour le vivant, des pots de fleurs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bûches donc comme ça. Et on va faire un carré, alors que j'ai pas de bêtises, ça doit être 7 x 7. Ouais, c'est 7 x 7. Voilà. Attends. Ouais, 7. Oh là là. Ah bah si je sais plus compter, on va pas y arriver. Et là, ça laisse un espace 5 x 5 que vous allez remplir de sable. Voilà. Ensuite, vous allez définir un sens où on pourra monter dedans. Donc, bon, moi, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, chaque creux du bac à sable, vous allez mettre des dalles de sapin. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Et après, on va couvrir deux trappes en bois de chaque côté, sauf l'endroit où on monte. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, je vais vous montrer. Là, on arrive. Je peux pas monter à part forcément sauter, ce qui est assez gênant. Et c'est assez dégueulasse de laisser le bois comme ça. Donc petite solution, mettre des tapis marrons. Et là vous voyez, je peux monter sans sauter. Et après là sur les côtés, on va renforcer un peu avec les trappes en bois. Voilà, comme ceci. Nice. Et après pour finir, on va travailler l'intérieur. Donc pour ça, c'est simple, vous allez mettre un sable dans un des quatre côtés. Bon, comme je vous l'ai présenté là-bas, c'est moi j'avais mis ici. Après, un autre endroit, vous allez faire une tour de 2 de hauteur. Bon, je vais mettre ça là. Et... Bon, pire, vous cassez pas la tête, hein, vraiment. Vous mettez, voilà, 3 structures seulement. 3 petites structures sur le bac, il y en a assez. Après, vous mettez un arbuste ou deux. Un endroit, vous allez mettre un seul cactus. Et après vous mettez un pot ou deux pots pour faire les seaux, pour justement construire les petits châteaux de sable. Et donc voilà. Voilà. Et puis après vous pouvez mettre une petite bannière. Voilà, comme ça. Après vous pouvez la custom, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais sinon voilà le résultat final du bac à sable. Et donc voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On va fixer l'objectif toujours et comme d'habitude à 15 likes. N'hésitez pas à commenter, partager à vos amis, votre famille, sur les réseaux sociaux. Les 3 sont obligatoires. Et de vous abonner pour les nouveaux, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ça fera énormément plaisir. La communauté grandit de jour en jour. Ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Oh, your motherfucking hands up.